esprit gueuleton. On se met autour d'une table, on pose les caméras, on invite des gens d'univers différents. Ça se rencontre, ça discute, on parle de ses métiers, on parle de plein de choses, et puis voilà, on déguste le vin, et puis on rigole, quoi. Ça permet de rencontrer des gens, et puis de mettre en relation des gens. Ouais, ouais. Ouais, là, le troisième, là, avec Jacques. Ouais. C'est un sexe, Jean-Marc. Ah bah, moi, je vais prendre... Moi j'adore ça, moi, donc hop, et hop, je pense à ça, comme ça au moins. Du coup, on a pensé à Eric parce qu'on a fait, on lui a rendu, il y a deux jours, la vidéo qu'on a fait sur sa boutique. Soon, c'est super connu. Après, et maintenant, ils ont la boutique à Bourg-les-Valences, ouais. Tu peux y aller, il y a un click and collect, tu peux commander sur net, et chercher tes petits plateaux pour ton petit apéro. Hein, donc, avant, quand tu sers, il faut toujours que tu montes l'étiquette au client. Ouais. C'est vrai que j'ai une gueule à bosser dans un resto, moi. Si je bosse dans une cave, c'est que je suis dans la cave, mais pendant la Je répète le menu du jour. Ouais. Velouté de brocoli, faisselle citronnée en entrée. En plat, on va avoir du boudin noir, purée de pommes de terre et pommes rôties au four à bois. Et en dessert, tarte au citron meringuée de citron vert. Donc, que Jacques nous parle un peu de ce qu'on est en train de boire, donc le Saint-Péret 2021. Alors, Saint-Péret 2021, donc ce sont mes bas-coteaux, donc c'est Saint-Péret, nous sommes à Saint-Péret, l'auberge de Pessol est à Saint-Péret, et ce sont mes bas-coteaux, c'est vinifié en cuve inox, et 70% de Marsanne et 30% de Roussanne. C'est un vin frais, côté minéral, et qui est bien plaisant à l'apéritif, voire avec le poisson aussi. Ça va être très bien avec les ouais, tout à fait, ouais. Il marche bien. Et apparemment, tu connais mon père. Bien sûr, Maurice. Ah, mais oui, oui, si. Ton père, on le. Ouais. Pharmaciens, des pharmaciens comme ça. Marc, les pharmaciens, en général, ils sont bons vivants. Hein. Ouais, moi, j'en connais quelques-uns. Ouais, ils ont les médicaments pour se remettre d'aplomb. Ouais. Ben voilà. C'est pas dangereux. Ça va, ouais, super. Ça va. Bonjour. Ça va bien. Et toi? Un chanteur. Joy a bien changé. Je trouve. Ouais. C'est mon voyage au Maroc qui m'a changé. Saint-Péret, élégance chez Jacques Le Ménissier toujours. Là, c'est mes vieilles vignes, mais c'est mes coteaux les plus adruptes. Et 50% de Marsanne et 50% de Roussanne. Et c'est vinifié en barrique et levé en barrique pendant 11 mois. Vous allez bien? Oh, voilà, docteur Roland, faut que je t'appelle en plus. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a deux personnes en plus. Ah bah oui. Mais Pascal Jamais, c'est un vigneron. En fait, tous les mercredis, on se réunit. Je parie que vous avez besoin de mannequins. C'est lui que je préfère. On va pas élever le cochon ensemble, là. Ah bah si. Si, c'est bon. Parce que maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge. De tout seul. Il y a la mairie de Granges-et-Valence qui vont tout refaire le stade. Et mon deal avec la mairesse de Granges, avant de tout détruire, on fait un festival. Et là, je viens d'apprendre que c'est mars 2023. Passe au vin de pays ou directement au Rosé Hermitage? Est-ce qu'on peut boire trois vins encore? Ouais. Oui, oui. Oui, ouais, bah, allez. Vin de pays, enfin, allez. J'ai l'impression que Sacha, on se connaît bien là. Ça y est, les cochons ensemble. Là, aussi. Bon. En étant en tant qu'artiste, on a envie de jouer pour un public en fait, et que quand il n'y a pas de public, j'étais obligé de jouer chez moi dans mon jardin à 19h45, d'attendre les applaudissements à 20h pour les infirmières. J'en prenais un peu pour moi. Il ne jouait pas à 8h du matin parce que là, il faut trouver des petits subterfuges, mais effectivement, quand on est artiste, on a envie d'être entendu, écouté. Moi, j'ai écrit des petites histoires que je chante, j'ai envie de les distiller, j'ai envie que ça soit un effet de catharsis ou pas. Chacun prend la musique que je propose comme... Mais je pense que le spectacle vivant est quelque chose à défendre. Il paraît que plus il boit et plus il chante, et mieux il chante. Qu'on soit vigneron,
qu'on soit chanteur. Ouais, du coup, le cadrage, il est bon, non ? Il était plus bon. Travailler sur de l'émotion, moi, pour moi, c'est complémentaire. En fait, si on veut toucher une personne à différents niveaux, on lui fait goûter un bon vin, on lui fait goûter un bon mets et on lui fait entendre quelque chose de délicat. Et je pense qu'on peut. On n'est pas loin de l'orgasme. Intellectuel déjà, ça sera, on va commencer par intellectuel. On verra plus. L'orgasme intellectuel et après on verra plus tard. Voilà. Plus si affinité. Passe-moi une serviette. Il a dit passe-moi une serviette, s'il te plaît. Grand Hermitage 2021. Wow. Donc ça c'est la Syrah qui est dans la plaine de Cordas. 100% Syrah. C'est 2021. Voilà, on a lancé l'apéro. Les apéros. Les apéros, ah, l'apéro, ouais. Super. Bah, tu les connais, hein, la mandat excuse est bonne pour faire un apéro. Ouais, c'est délire, là vous faites des casinos maintenant. C'est mieux les casinos du vin que les vins du casino. Ouais. Donc on a fait faire deux tables, une avec des numéros donc, pour jouer à la roulette. Donc là on a mis des noms d'appellations. On a mis notre logo en gros, donc ça fait un truc super joli. Donc ça, c'est un casino des vins. C'est la première partie du casino des vins, donc la roulette. Et deuxième partie avec toutes les familles des arômes. Donc des vins simples, des vins monocépages. On a des syrahs, des grenaches, des chardonnays, des viognier. Où ils doivent parier sur les cépages. On tamise la lumière, on fait... J'ai Jean-Charles sur une table, j'ai Morgane sur l'autre et moi sur une table, Jean-Charles. Ouais, autour de la table. Hein. Ça doit donner, Jean-Charles sur les tables avec une lumière tamisée. C'est qui le chanteur qui chante, ouais. Ah, non, non. Ouais, on arrive sur le dessert à côté à guitare. Ouais, quand elle marche, ses petits seins qui bougent. L'avait l'air de se promener sur un fil. Les courbes de Marilyn vues de profil. Elle avait. Elle avait bon nombre de circonstances. L'avait en elle le monde qui danse. Un charme aux saveurs subtiles. Tous les ingrédients courant des difficultés futiles. Elle avait le regard d'un enfant qu'on punit. Elle avait envie. De corps luisant, de désir immaculé. Elle riait comme on jouit et son amour dégoulinait. Elle avait
Yeah. On a oublié de parler un peu de l'historique du domaine de Jacques. Petit Jacques est né. Ouais. Ouais. Je suis vigneron depuis l'âge de 18 ans, après 40 ans. L'école m'a poursuivi, donc j'ai arrêté à 16 ans. Et après, je suis un vigneron qui s'appelle Alain Roge, qui a produit. Oui. Et après, il y a eu le beau-père à ma soeur qui était paysan avec sa voiture et j'ai pris ses vignes pour dépanner. Et petit à petit, j'ai grandi. Oui, c'est un peu le hasard qui t'a amené dans la vigne en fait. Complet. Moi, je fais du Saint-Péry du Cornas et un peu de Cros Hermitage. Saint-Péry du Cornas. Et après, au niveau des ventes, je crée un briquet sur région Rhône-Alpes, 70%. Très peu d'export, 10%. Ouais, mais bon. Il n'y a plus de cornas, si. Oui, ah. Les étiquettes. Tu veux faire un salto arrière, tout nu? Non, mais j'ai arrêté. Vous avez remarqué quand même que mon t-shirt est au logo. Ah, ouais. Moment. Bon, merci Jacques, surtout. De rencontre, de découverte et de partage. Enchanté. Comme d'hab à chaque fois. Comment je fais le plein. David, santé. Merci venu. Santé Ike qui vient de partir et qu'on a raté. Bon, ouais. Et j'ai oublié ton prénom. Roland. Mais ça doit te trinquer quand même. On ne t'invitera pas. Hein. C'est Roland qui arrête de boire. Qui arrête de boire. I would.